Salut, bienvenue sur JLC Agence de Voyage. Je vous remercie parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous avez besoin d'acheter, n'est-ce pas, un billet d'avion, vous avez besoin de faire une réservation d'hôtel, vous avez besoin d'acheter une assurance de voyage, vous avez besoin de faire une demande de visa, ok? Vous pouvez nous contacter, nous sommes disponibles et disposés à vous aider. Ou même quand vous avez un domaine qui a besoin d'acheter billets d'avion pour venir au Brésil, ok? Qui a besoin d'acheter billets d'avion pour aller au Mexique, ok? Pour aller quel que soit côté, pour aller au Chili, pas négliger entrer en contact avec JLC Agence de Voyage. Si au Chili ou au Mexique, vous avez besoin de billets d'avion, ou capable d'entrer en contact avec nous, ou bientôt capable de visiter le website, non? Ici, et www.123triponline.com. Vous pouvez visiter le site web, non? Si vous avez besoin d'acheter bio pour compte ou sans pas, contactez nous, capable de visiter le site web, non? Donc, nous allons continuer la vidéo. Nous avons développé une série de vidéos. Nous avons dit sur ça qui est pour vous. Nous avons dit que ça aussi des tutoriels que nous avons fait pour nous montrer comment. Nous avons dit que nous avons des documents au Brésil, comment nous capable de faire. Donc, je vous dis, nous allons voir avec vous le document ça, qui est certificat consulaire. Donc, en portugais, il y aurait le certidão, ok? Certidão consulado. Certificat, alors certificat consulaire en français. Nous allons montrer comment pour faire document ça. Document ça, ou même qui a un projet pour naturaliser, et si qui a un projet ou un plan pour capable naturaliser brésilien, ou capable d'entrer en contact avec nous, nous disposer et disponible pour nous accompagner. Donc, nous allons montrer comment pour faire certificat, nous sommes capables de dire consulaire ça, qui démarche et comment pour faire. Le certificat consulaire, ça, c'est un document qui est important dans le dossier ou bien dans le processus de naturalisation. Sous des projets ou bien plan pour naturaliser, document ça, c'est un document qui est important et ou pas qu'à démarrer le dossier sans pas gagner document ça. Si ou pas gagner document ça, ou à commencer le processus de naturalisation, eh bien, ou gagner possibilité pour échouer dans le processus là. Parce que document ça, si vous n'avez pas gagné, vous venez demander. Tant y'a pas ou à qui c'est 30 jours pour être en bail, ou pas besoin ni loi à faire demande dans le consulat. Ça veut dire pas démarrer le processus de naturalisation sans document sacré, certificat consulaire. Nous allons voir comment on est capable de faire pour faire document ça. L'important parce que c'est tutoriel n'a fait. Ok? Nous allons voir qui gens ou capable de faire pour faire document ça. Qui nous relè certificat consulaire. Maintenant, document ça, nous dit le certificat consulaire est un document déclarant que un haïtien vit à l'étranger. Après, dit ça me dit encore. Certificat consulaire, c'est un document qui déclare que un haïtien vit à l'étranger. Remis par l'ambassade d'Haïti au Brésil. Certificat ça, qui côté qu'a fait le bout? C'est ambassade. C'est ambassade, c'est ambassade d'Haïti qui au Brésil, qui Brasilia, c'est lui qui a fait le document ça pour. C'est un document important car il permet d'éprouver temporairement votre identité sur le territoire brésilien. À noter qu'il ne vous permet pas de voyager. On dit certificat consulaire, il ne pas permet de voyager. Donc, je ne sais pas. Certificat consulaire, c'est un document qui déclare que un haïtien vit à l'étranger. Donc, si vous avez besoin de document qui pour montrer l'état qui va vivre à l'étranger, eh bien, c'est un certificat consulaire. Certificat consulaire, ça, eh bien, dans le processus de naturalisation, ministère de la Justice lui demande. Il y a des gens qui ne lui demandent pas. Mais vous supposez faire parce que vous n'avez pas entrer dans le processus de naturalisation. Sans document ça. Donc, on dit, son document qui est important parce que lui permet de prouver temporairement l'identité sous territoire brésilien. À noter que document ça permet de voyager. Ok.
nous toujours à pas avancer, toujours sous certificat consulaire ça. Vous voyez le certificat consulaire. OK. Maintenant, étape 1. Document ça pour faire mes premières étapes là, même j'aime t'expliquer comment pour faire passeport. Première étape là, étape 1, c'est envoyer un email. Vous pouvez également envoyer votre demande avec les documents nécessaires par courrier à l'adresse de l'ambassade d'Haïti à Brasilia. Pour faire document ça, moi dit vous voyez un email. Vous voyez un email qui côté? Vous voyez un couchant dit vous voyez un email. OK. By ambassade Brésil là. Nous te gantan et m'ta capable dit bon email ambassade là déjà elle nous raconte comment pour faire passeport. Mais si vous pouvez également, ça veut dire capable voyer tout, demande-toi avec document qui nécessaire par courrier, n'est-ce pas, à l'adresse de l'ambassade d'Haïti à Brasilia. Mais adresse ambassade là qui c'est ambassade d'Haïti à Brasilia, secteur consulaire, ouais, SHIS QI 13. Conjunto 08 Casa 18 Lagosu 716-35-080 Brasilia DF la c'est Distrito Federal. Mes adresses ambassade d'Akoto Pagé pour vos documents. OK. Nous partons pour étape 2. Nous avons terminé la première étape. Nous partons pour étape 2. Étape 2. Payer les frais. Payer les frais. Même j'en passe pas à gros frais pour payer. Eh bien, certificat consulaire à gros frais. Effectuer un dépôt de 35 EAI sur le compte de l'ambassade d'Haïti au Brésil. C'est clair? Il va payer un dépôt, va effectuer un dépôt, va faire un dépôt sous compte ambassade d'Haïti au Brésil. Sous compte ambassade d'Haïti au Brésil. Va faire la Banco do Brasil. Qui c'est? Agencia 16 06-3 Conta Corrente 68 694-29. À partir de ça, ou bien possibilité pour faire dépôt. Ça veut dire faire yo dépôt sous compte en bas ça là. Ou faire dépôt ça et qu'on y a dépôt ça. Alors, si on fait dépôt, ou mettre composant qui dit qu'on te fait dépôt dans enveloppe document ou dépôt aller. Ça c'est deuxième étape là. Deuxième étape là qui ça me dit lié. Perfection dépôt, ou fond dépôt. Dépôt ça, ou pas faire sous téléphone. Ou pas faire dépôt ça dans la banque là même. Ou pas dans la banque au Brésil. Avec compte ambassade là, ou faire dépôt. Lorsqu'on fait dépôt, il y a bon reçu. Il y a un composant qui dit qu'on fait dépôt. Quand il y a un composant ça, ou besoin pour capable mettre dans le dossier. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, nous allons voir la troisième étape. Étape 3. Les documents nécessaires. On dit étape 3, les documents nécessaires. On dit 1. Vous avez besoin d'une photocopie de la page d'identification du passeport. Vous avez besoin de photocopie de la page d'identification du passeport. 2. Une photocopie de l'acte de naissance. OK. Preuve de résidence pour l'envoi du certificat consulaire. Facture à son nom. Preuve de résidence, là, il doit y avoir une composante de l'eau ou une composante courant. Et quatrième bagage là, ils ont reçu du paiement des frais. Document qui est nécessaire. 1. Besoin de photocopie d'identification, passeport. Mais passeport ça, il n'est pas de expiré. Je vous dis ça encore. Passeport n'est pas de expiré. OK? Ou pas qu'à faire sur le passeport qui expiré. Donc ça, c'est document ça, il y a besoin de faire des demandes. Donc maintenant, nous continuons à avancer. Étape 4. Envoi. Envoyez les documents numérisés par email. Documents
ou gagne yo ou capable voyer yo tout capable scanneriser pour voyer yo dans email ça. Renseignez le nom de vos parents dans le corps du mail. Ça veut dire email ça va voyer ba yo ou mettre nos parents nos maman nos papa dans email ça pour voyer ba yo. Scanneriser document ça veut dire passeport. OK, avec tout reçu que vous faites dans scanneriser pour voyer aller. Pour voyer aller dans email. C'est comme ça. De possibilité pour faire certificat ça qui n'ont pas de délai. Donc, observation pour les là. Vous pouvez également envoyer votre demande avec les documents nécessaires par courrier à l'adresse de l'ambassade d'Haïti à Brasilia. J'aime ce dire, mais à des côtés pour vous voyez documents à lire. Donc, c'est simple. Si vous arrivez jusque-là, vous tapez suivant. Vous remerciez. Nous demandons pour vous continuer à partager vidéo dans Facebook, dans YouTube. Pour qu'on puisse atteindre Instagram, pour qu'on puisse atteindre Facebook. Donc, si tes vidéos ça nous été pour vous, pour vous montrer comment on peut faire certificat consulaire ça pour qu'on puisse naturaliser, parce qu'il est important dans le dossier de naturalisation. Suivez jusque-là, nous vous remercions, partagez, faites des commentaires, like. À la prochaine pour une prochaine vidéo.